You may think you have seen and experienced all that life has to offer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode du Let's Play sur The Book of Unwritten Tales. On reprend là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire après avoir réussi à faire plusieurs choses dans les cavernes. On avait eu pas mal d'objets, on avait réussi à avancer, mais on avait fini par se faire jeter. Donc on va tenter de continuer évidemment, et puis de récupérer du coup le casque qui est notre objectif dans cette caverne. Casque qui se prend pour un dieu, qui est protégé par par ces lutins là, et qui du coup voilà, on veut le récupérer pour pouvoir avoir une armure complète qui nous rendrait invincible, et pouvoir ensuite aller faire un combat contre des orques et récupérer Wilbur qui lui est devenu la récompense d'une arène, enfin d'un combat, d'un championnat on va dire de combat d'orques. Donc voilà. On va essayer de le libérer et de le récupérer en tant que récompense. Donc on avait un champignon violet à donner aux deux zombies là qui sont tombés amoureux. Sauf qu'il il lui faut à ce champignon une odeur répugnante. Je pense que c'est pour, voilà, pour que ce soit cohérent. Et ici du coup... on peut prendre la torche. Bon bah déjà voilà. Au pif, on trouve des trucs. Et donc ici, on va devoir avancer et trouver du coup le casque. Qu'est-ce qu'on peut en faire de... Ah oui, c'est vrai qu'on a posé... Ah oui, c'était ça le problème. On avait posé donc de la dynamite dans un tas de pierres. Donc là, du coup, on a la torche qu'il faut. Ouais, c'est ça. On va attendre que lui revienne. Ok, bon, en fait, au pif, on a réussi à trouver, du coup, le bâton. Enfin, la torche qu'il nous faut pour allumer les... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Allez. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir allumer et faire exploser le tas d'explosifs et le tas de pierres. Parce qu'en fait, arrivé en haut, on avait un petit lutin qui était plus sur ses gardes que les autres, qui nous empêchait d'avancer. Donc c'est ici, là, il y a un tas de pierres avec de la dynamite glissée à l'intérieur. Nice. Il est très calme pour quelqu'un qui va faire exploser la mine. D'accord, et là la logique voudrait que tous les lutins qui sont dans la caverne remontent pour voir le bruit. Ce qui s'est passé, mais non. D'accord. Donc là on a un cratère. D'accord, on a... Ah oui, ils sont très zen en fait les lutins ici. Ok, on passe tranquille comme si c'était chez nous. Parfait, bon bah voilà. Oula, c'est très joli, un gros plan comme ça. Descendez, non. Est-ce qu'on a quelque chose à prendre ici? Regardez dans la grotte. On a un aimant sur cette corde. God, I'm
I'm floating. Woozer? Yes, Woozer, I'm being kidnapped. Allez, no. Tais-toi, mais remonte. It is I, Woozer. This helmet has brought shame upon me. He shall be my prophet no longer. Oh, that's nonsense. Don't listen to him. He should be banished. The human who he's driven out should from now on be welcomed by us. I am the prophet. Woozer. Le bordel. D'accord, ça a l'air de marcher. No! Ah, yes! Donc ça a marché, les lutins sont... Bon, en même temps, ils sont assez bêtes pour écouter un casque qui parle. Donc, ouais, ça se comprend. Ok, donc on n'a pas besoin de descendre. Pourquoi on descendrait? Bon, on va le faire, parce qu'on peut le faire, mais c'est bizarre, pourquoi on devrait le descendre? Vu qu'ils l'ont balancé dehors, on a juste à sortir, le récupérer, et puis voilà. À moins qu'on puisse en plus faire se remplir les poches, ça m'étonnerait. Oh bah, bah si, carrément. Sorry, sorry, don't get excited. But there's someone on guard. Sorry. D'accord, ok. But there's someone on guard. Si on lui fout un coup de manche en bois dans la tête, non, ça se passe pas. Qu'est-ce qu'il y a monté? Non, regardez. La tête du dragon. A dragon's head covered in soot. An earth pixie's fumbling around with it. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire toutes ces... Bon, est-ce qu'on doit voler déjà? Bah, je suppose que oui, mais... Est-ce que si on lui donne le pompon, ça va l'amuser? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut lui parler? D'accord, parlons. The stone figure there. Can I have it? You want something else for it? I don't think I've got anything for you. D'accord. Si on lui donne une plume, je sais pas moi. Coup de planche dans la tête aussi. Ou des aimants, on peut pas. Pourquoi il y a rien qui serait aimanté à part peut-être cette grosse statue là, mais ça va être un peu lourd. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, moi. Attends, on a plein de peintures là. Non, là je vois pas trop ce qu'on pourrait. Ouais, non, il y a rien à faire. À part voler, mais voler pour que faire déjà, je vois pas l'intérêt. En fait, là, le truc, c'est que c'est très mal amené. C'est genre, c'est bon, t'as tout fini, mais tu peux voler. Et on se doute que c'est pour la suite, mais enfin, il y a aucune justification, il y a aucune. Lui, je sais pas, il pourrait dire, bah, au passage, je me ferais bien petit plaisir. Enfin, non, il y a rien d'expliquer ou de clairement dit. Donc, mais on reviendra. Au pire, on sait qu'il y a des choses à voler. On sait pas comment, par contre. Faut détourner l'attention, on a peut-être pas en plus ce qu'il faut, donc peut-être que de toute façon on peut rien faire pour l'instant. Donc on va aller récupérer notre butin avant qu'il soit volé. Et puis ce sera bon pour la grotte, on reviendra plus tard s'il faut. On reviendra même sûrement. Voilà, bon, allez le casque. On vient de détruire une position très confortable d'un casque qui nous a absolument rien fait. T'as pas le choix. Shut your trap. I need to save a good friend and you're going to help me whether you like it or not. Exactement. Get Allez. Your hands off. No, no, don't, not the greasy hair. D'accord, il le met direct en plus. Il faut qu'on revienne là du coup. Puisque normalement le fantôme... Oh, il est beau comme ça. Hein. On a la classe. Le fantôme est censé nous donner la suite, si je me souviens bien. Hey boss. Ah, the living one.
Do you have the vaguest idea where I'm... You won't have any luck here. But the Minotaur Shaman figured he got his mushrooms out of the crypt here. That's true. The mushrooms... So that means there isn't one single... I'm sorry. Then I've got a problem. Mais non, mais... Par... Ou alors c'est lui, je sais plus qui... Hey, Gulliver. Ah. You guys know all about unpleasant odors. Of course. Do you have any idea how I can make these mushrooms smell musty and rotten? Oh! Take off of that. Oh. That'll work, thanks. You're welcome. Merci. Voilà, bon, bah ok. Et c'est pour faire quoi déjà? Je sais même plus à quoi il sert le... Ah, c'est peut-être pour voir le chaman là-haut. Je sais même plus. J'ai oublié. C'est peut-être pour lui, ouais. Look, ghost mushrooms. Ouais, ça s'avère puissant, ouais, tu m'étonnes. Ok, et maintenant? Smoking buffaloes are not to be disturbed. Smoking. Mais qu'est-ce que l'on fait maintenant? Smoke. Ah, on va donner peut-être la lettre. Ah, mais non, il fallait le cacher, ouais. On a plus du tout de. Comment dire? De peinture. Et je viens de penser que là, il y a de la cire. On pourrait faire le cachet avec ça. Good. Now the letter's got a decent blob of wax on it. Ok, bon, bah voilà, on avance. Enfin, sortir de tout ce méli-mélo. This bog lady might be a bit dumb, but she's still going to be able to spot the difference between a blob of candle wax. Ah oui, ça doit être par là, non? Sur les tombes, y'a pas un truc... Y'a pas un qui a une bague ou je sais pas quoi, voilà, la bague. Cette mémoire... Et même parce qu'elle est là en train de pleurer, donc elle doit bien quand même se rendre compte de ce qui se passe autour. Puis il est là en train d'écrire la lettre devant, en train de mettre le seau et tout. C'est drôle. Allez. Avec son casque là, il a l'air ridicule en plus comme ça. I can hardly believe it. Our messenger pigeon has just delivered another letter. Really? Oh yes. There's even a seal. Maybe you recognize it. That's a seal. A letter of handwriting. All the spelling mistakes. This letter really is from him. Sympa. What's he say then? There was a storm and he wanted to come back to me, but he can't. Ah, you see, that explains everything. I have to go to him. Oh, deep joy. What about the shield? Oh yes, the fat ogres carried it away. Les ogres. Nearby. Ceux qu'on ne voulait pas rencontrer. But always remember, the journey is the destination. Ok, bon bah du coup, on va aller voir les ogres. Je crains le pire. Ouh, oui. Bon, ça pour l'instant. On va récolter ce qu'il y a trouvé à récolter ici. Young sir, may I ask what it is you're hoping to find in our cave? Ah, c'est le casque qui parle. Oh, sorry, I was looking for a public toilet and it smelled a bit like one here. Ah non, c'est eux. Pleasant. Talk to Blunt about that. He's responsible for personal hygiene this week. Hungry food now. And unfortunately, that's all you think about. Sir, I must ask you to leave our modest dwelling. Okay, I'll look for somewhere outside. I'm very much obliged.
Many bushes and trees out there would consider themselves most happy to offer their shade. D'accord, on a un troll assez surprenant. Je m'attendais pas à ça en fait. J'aurais vu deux gros trolls sauvages en train de défendre leur taverne. Leur caverne, pardon. Taverne aussi un peu, mais en fait non, pas du tout. On va récupérer. D'accord. Enfin, il y a une brute et un cerveau, on va dire. Ah. D'accord, bon bah voilà, déjà on sait où on doit chercher. Une énorme massue. I cannot countenance your rummaging around. Oh. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à leur donner ici? The two-headed ogre is fat like an ogre and he's got... Qu'est-ce qu'on doit faire du coup? On doit les divertir, on doit ouais. On peut rien faire, on peut rien toucher. La ficelle incassable, qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, il les ment, non, on peut pas... Planche de bois, non, ils veulent pas un peu de planche de bois, là. Ouais, parle-leur, toi, s'il te plaît. Hi there, you... Yes, little human. Are you a human eater? Hungry. Il y en a un, oui, c'est un mangeur d'humains. He's very emotional when he hasn't had anything to... Alors, qui êtes-vous? Alors, vous êtes un peu comme un mage. You're a battle mage, then, are you? No, hit man. C'est très efficace. Il y a un qui fait la magie et l'autre qui fait le combat corps à corps. I am a battle mage. My modesty prevents me from pointing out that I am one of them. Modestie, ouais, t'empêche pas de parler en tout cas. Even better if I could study more. But oh well. Ah. That's a very interesting place. Il y a un truc à faire avec la magie. Dreadful, isn't it? All that fatty food. But Blout loves that rubbish. Blout, hungry. Et il y a peut-être un truc à faire avec la bouffe aussi. A thousand times. You only get to eat once I've finished reading this book. Hungry now. If I let you eat now, then you'll put your greasy fingerprints all over the pages again. I get to choose what we do this afternoon. Blount was allowed to decide this morning. First he wanted to lie in, but then suddenly he didn't have enough time to eat. Tough luck. I am hungry. But I... Pas inventer le chou, tu l'as. Alors. Toujours demander, même si on. Hein, on n'aura pas forcément un accord. J'en suis en train de me demander qu'est-ce qu'on a vu d'aussi grand. Mais qui ne soit pas un bouclier magique qui rend invincible. Blount! Blount, really? My name is Zloth, from the Lightning Fist tribe. That's my good-for-nothing half-brother, Blount. Your half-brothers? Isn't that a little impossible? Not at all. The biology of two-headed ogres is very complex. As you may know, it can... Boring! Un peu d'humour, quand même, cet ogre. That's just... It's okay. I don't really need to know all the details. I need to get going. See you two later. Goodbye. Alors, on a une piste possible sur la magie, sur la bouffe et un remplacer son plat. C'est ce qu'il appelle un plat. Whoa, quadruple X. That's really strong. Il y a le tuyau, il y a plein de choses à faire, mais avant on ne peut rien toucher. Nice. Pourquoi il le fait, je ne sais pas. Je fais du pif, hein. Je teste et ça passe. D'accord, et bien fais-le.
I don't think Zloff would chase after it. I don't think Zloff would chase after Il y a le livre. Hello, Blob. You. That's right. You must be very hungry. Alors, on parle que à Blout. That's a very, very big plate you've got there. Blout, big, hungry. Why don't you ask Zloff nicely once more if you can eat what's on his plate? Zloff not let me, and Zloff make. Ah oui, il fait de la foudre carrément. You mean he can defend himself? Hmm. As long as he's reading that book, you can't use your hands? Well, you are one smart guy, Blout. Blout? Can't you get Zloff to stop reading? Zloff always reading. Do book finish. And there's nothing that stops him reading? Bonne question. Zloff like drink cocktails. Ogre cocktails. Okay. And then what? Drunk very quick. You mean he can't hold his liquor? And he gets too drunk to keep reading. Interesting. Je crois qu'une seule personne pourrait nous faire des cocktails d'ogre, et ce sera le Minotaur. Do you get drunk fast too, Blout, like Zloff does? No. Ah non, c'est le poivreau, je pense. Much more than Zloff. Blout, real main ogre. But you share the same body. Yeah. So? Nothing. I could make you an ogre cocktail. How would you like that? Ce serait pas mal de faire un cocktail d'ogre du coup s'il est bourré, mais parce que du coup. Yeah, I know, but the cocktail's mainly for Zloff. What? So he gets drunk. And then? Then you can chow down on that snack there. En fait, c'est ça. On donne un cocktail à Zloff. Il boit, donc il ne lit plus. Lui, il mange. Et du coup, ils seront tous les deux distraits. Un bourré, un en train de manger. On pourra récupérer ce qu'il y a autour et éventuellement récupérer le bouclier qu'il y aura après. Puisqu'il sera vide, logiquement. Right. On va demander d'ailleurs les ingrédients. Ouais. Alcohol. Alcohol. Logique. Un umbrella. Un ogre cocktail est made of nothing but alcohol. And umbrella. D'accord, qu'est-ce que ça va en fait? What kind of alcohol? Wine? Vodka? Whatever must blow your head. Ça va faire péter la cervelle, donc je vois le minuteur va nous faire un truc de ouf. Docton est levé dans un verre avec un parapluie. Classe, ouais. Human can look in cave. Do you have the ingredients? Ah, cool. You and your half brother. Apparemment, on pourrait rentrer dans la grotte, donc peut-être du coup commencer à fouiller un peu partout. Sauf que lui voudra pas Zloff. Donc va falloir lui vraiment qu'il se bourre la gueule et puis après on sera tranquille. D'ailleurs, lui il est qu'un œil, il y en a deux, j'avais même pas percuté. D'accord, donc il y en a un qui considère l'autre comme un moins que rien. I have to leave. My D'accord. Hungry. Donc là, on peut y aller. Those are loud. Really? What a delightful surprise. No problem, Fatso. He meant you. Mince, du coup, j'ai zappé. Et en fait, il était en train de Blout nous a défendu contre le en expliquant que on allait lui faire de quoi Zloff un cocktail et donc du coup on pouvait fouiller. Et donc là c'est cool, on a porte ouverte pour tout fouiller et tout récupérer. A small, colorful cocktail umbrella. Who'd have thought that there'd be a market for these here in the wildlands? C'est clair. Donc là maintenant on a un parapluie à cocktail, c'est un gros parapluie, taille dog hein, j'imagine. Regardez les verres. This one's more human sized. Is
Apprends-le, hein. S'il est là, c'est que c'est de ça, mais c'est vrai que c'est un petit verre quand même. A tied up linen sack. The contents probably need to be protected from birds and rats. C'est bien, on peut tout fouiller. On a l'accord du frère. On va récupérer une bouteille. Peut-être mettre du. Ouais, mais prends. Il te faut un récipient pour l'alcool, andouille. On peut prendre le sac carrément. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ok, le tuyau, il m'intrigue depuis tout à l'heure. Over a meter long and anything but I don't even want to think about what the ogres might use it for. Allez, récupère-le. On dirait un gros intestin, c'est dégueulasse. Bon, on a tout ce qu'il faut ici, on peut plus rien prendre. Le bâton, c'est plus une massue. Bon, bah, je crois que là, on va se devoir sortir d'ici. On va aller voir, du coup. Regardez l'espace. D'accord. On va aller voir le Minotaur. Il va peut-être pouvoir nous aiguiller par rapport à ça. Nous donner, je sais pas, une recette pour faire de l'alcool. Ou... Ah, bah non, on peut mettre les pommes dans la marmite. Et du coup, faire notre propre alcool. Comme... Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Évidemment. Smoking. À moins que. Sits nice and firm. Whatever's in the pot will evaporate, condense, and be drawn off in the. D'accord. D'accord, on a. Et on peut pas mettre ça là-dedans. Donc il y aurait autre chose à mettre, mais quoi? There are a few kilos of half-rotten apples in the sack. Elle sent de la fermentation, bah oui, mais du coup mets-les dedans. Mala mala. Parapluie, on l'a, le cocktail, on l'a. Ah. On va aller voir les zombies là-bas, ils ont sûrement quelque chose à nous dire ou nous faire. Donc l'autre est parti. Ouais. On peut pas ouvrir un sarcophage, non? Il y a pas, non? A grave. On va leur parler, hey, avant qu'ils veuillent pas. Ils sont que vous aimez. We want to start a family. That's we're going to call our first child Nate. Excuse me. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. There's just nothing which might pass for a heart. Then you'll have to keep looking. My body. Que. Oh. What? Hello. Ah. Basic or scientific fact. That wrinkly thing there is dead. What? Elle le sort comme ça, quoi. Tu sais de le demander. Just too bizarre. Too bizarre, ouais. Donc c'est bon là? A pile of junk
with a patched up bellows and a dead shriveled up heart. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais à rien en fait en posant cette question, mais visiblement ça a fonctionné. Surpris. Hey Gulliver. Ah, the living. C'est bon du coup? So in your opinion, what happens now? Lightning will strike the antenna and the electrical pulse will bring my body to life. My little honey bunny. D'accord. Genius. How could I have done? Elle est où la pluie et l'orage? Doesn't look stormy. We can wait. But Wilbur can't. Can't you just tell me where the sword is? I'm sorry. The bolt of lightning was clearly a part of our deal. Ah, la foudre. OK, je viens de faire le lien. On a un ogre. On a un ogre qui fait de la foudre. OK, on va arrêter là, mais. Donc, pour récapituler, on a le casque, il nous faut l'épée et le bouclier. Le bouclier, on sait où il est avec deux ogres. Ces deux ogres, il y en a un qui est débilos, on a réussi à l'influencer pour qu'il nous défende, afin qu'on puisse fouiller les environs de ces deux ogres. L'autre partie de l'ogre, puisque c'est un ogre à deux têtes, l'autre ogre est un ogre point de foudre, donc lui qui a la capacité de faire de la magie, notamment de la foudre. Il est en train de lire un bouquin, donc il faut qu'on le fasse s'alcooliser. Donc on va lui faire un cocktail, on doit trouver de quoi faire de l'alcool, pardon. Je pense que c'est avec le Minotaur, mais j'ai pas compris la subtilité, pourquoi on pouvait pas utiliser les pommes qu'on a. Une fois qu'on aura fait cet alcool, on va pouvoir la donner à l'ogre intelligent, on va dire, qui lui, du coup, sera très vite bourré. Il ne pourra plus lire, son copain pourra manger toute la nourriture qu'il y a sur un plat. Ce plat sera vide et ce plat, c'est le bouclier qu'on convoite. On pourra donc le récupérer d'une manière ou d'une autre et avoir donc la première partie. La deuxième partie, il va falloir qu'on fasse en sorte de convaincre l'ogre qui est capable de faire de la foudre de venir ici avant ou pendant qu'il est alcoolisé, je ne sais pas. Pour faire de la foudre et faire revivre le corps de notre cher ami Gulliver qui est juste une tête pour l'instant. Waouh, les mecs qui ont fait ce jeu, ils vont loin, ils vont très très loin. C'est des grands tarés. Donc on verra ça au prochain épisode comment ça va se passer. Mais normalement, il devra se passer à peu près ces choses-là. Après, on sait que ça se passe pas toujours de la manière dont on l'imagine, mais voilà, en gros, c'est nos objectifs pour le prochain épisode. Si celui-ci vous applique comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, d'autres vidéos de la chaîne aussi, et surtout à commenter, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça, ce jeu est complètement fou, et voilà, dites-moi un peu votre avis là-dessus. Et enfin, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si elle vous plaît d'une manière générale, c'est toujours un grand plaisir de voir plus de monde sur la chaîne. C'est toujours aussi pour moi un gage de confiance de votre part, donc ça m'encourage toujours à aller plus loin. Et voilà, de toujours tester certaines choses, je ne vous en parle pas pour l'instant, mais voilà, d'essayer de faire de nouvelles vidéos un petit peu différentes. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce Let's Play qui promet encore des choses assez folles. Et donc d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao!